Anna veut partir en vacances depuis longtemps. On peut lui faire un soutien-gorge écolo avec des glands. Attache-le sur elle avec des fils à broder. Ajoute une ceinture. Sa jupe légère faite avec des feuilles, c'est le choix idéal pour aller à une station balnéaire. Décore-la avec des fleurs et des feuilles. Sa coiffure aussi a changé. Sa tresse est décorée avec une fleur exotique. Elle porte des bracelets de fleurs aux chevilles. Anna est arrivée aux Maldives en hélicoptère privé. J'ai trop hâte de partir à l'aventure. C'est tellement beau ici. Bienvenue aux Maldives. Hi. Merci pour ton hospitalité. Je vais t'aider à plonger dans l'ambiance de l'île. Il te faut un collier tropical pour aller avec ta tenue. C'est trop génial. La tradition locale, c'est de tresser des fleurs dans les cheveux. Maintenant, Anna est complètement intégrée. Prends un cocktail et fais comme chez toi. Merci, c'est un service incroyable. Passe de bonnes vacances. Anna profite déjà du soleil. Ah, c'est le paradis sur Terre ici. Pendant ce temps, Elsa se prépare pour ses vacances à la montagne. J'ai récupéré du tissu à l'atelier. Fais-lui un body à sequin. Il lui va à merveille. Décore-le avec des glaçons en strass. Ajoute une jupe en tulle avec une ceinture. Cette fausse fourrure est aussi moelleuse qu'un nuage. Et elle est chaude aussi. Elle peut transformer des chaussures d'été en bottes pour l'hiver. Ce sera utile à la montagne. Merci. Elsa part dans les Alpes pour passer du temps à la montagne. C'est pas facile de trouver ce dont on a besoin quand on est pressé. Elle est où ma valise? Elle est peut-être sous le lit? Oh là là, elle est tellement lourde! Oh, Olaf, tu m'as encore piégée! On va choisir ma tenue ensemble. Je dois être la plus belle possible pendant les vacances. Il essaya sa jupe. Ça lui va à ravir. Le plus important, c'est de ne pas oublier les bottes pour l'hiver. Je suis prête! La montagne, on arrive! Oups, on dirait qu'Elsa est allée dans la mauvaise forêt. C'est facile de se perdre dans les montagnes. Waouh, c'est tellement beau! Je crois qu'on est au bon endroit. L'instructeur Ben la salua. Hi. Mademoiselle Elsa? Oui, oui, c'est moi. T'es prête à faire du snowboard? Oh là là, ces pentes sont si raides! T'inquiète pas, je vais m'assurer que tu sois en sécurité. Et Olaf, lui, est déjà en mode vacances à la neige. Découpe un masque de plongée dans un emballage en plastique. Ce papier mousse métallique serre bien le visage et ne laisse pas passer l'eau. Ajoute un élastique sur le masque. Anna est prête à conquérir l'océan. Yeah. Découpe un tube de plongée. Maintenant, elle peut respirer sous l'eau. Vite, on va plonger pour voir les récifs. Anna était en train de faire un live pour ses followers quand soudain, elle remarqua une annonce pour partir dans une aventure sous-marine. Elle veut tout essayer. Mademoiselle, t'es intéressée par la plongée? Tu peux acheter ce masque si tu veux. Je veux le meilleur. Je vais l'essayer. Il me va. Le miroir ne ment pas. Je suis super belle, même avec un masque. Bientôt, tu vas découvrir le monde sous-marin des Maldives. Fabrique des lunettes pour le snowboard. Elsa est superbe. Recouvre la monture avec un cordon fin. Cet élastique scintillant servira à maintenir ses lunettes en place, même sur les pentes les plus raides. Montagne, préparez-vous! Elsa va devenir la meilleure des skieuses. Yeah! Mademoiselle, ces lunettes vont protéger tes yeux des rayons UV. Hihi, c'est l'accessoire parfait pour aller avec mon look. Notre belle reine des neiges n'est pas pressée de se lancer. Elle va d'abord se détendre dans une grotte de sel. La glace n'est pas si froide quand on est la reine des neiges. Hihi. C'est bien mieux que les Maldives. Elsa, est-ce que je suis déjà bronzée? On va faire des palmes. On va ajouter une semelle dessus avec un élastique pour ne pas les perdre. Les palmes, c'est indispensable pour les plongeurs. Anna a remarqué qu'elle n'avait qu'un masque. Mais il y a aussi des palmes sur l'affiche. Mademoiselle, t'oublies pas quelque chose? T'inquiète pas, on a aussi des palmes. Oh là là, elles sont chères! Mais ces palmes de haute qualité en valent la peine. Maintenant, Anna est totalement équipée. Super! Je suis prête pour de nouvelles aventures! Anna se rend dans la plus belle zone de l'océan. On va plonger au fond. Oh, c'est tellement beau! Viens danser, la pieuvre! Oui, comme ça! Waouh, une vraie perle! Je vais la prendre comme souvenir. Mais le poulpe s'est attaché à sa nouvelle copine.
et reçoit pas beaucoup d'invités. Il est temps de remonter à la surface. Découpe un casque de ski dans un œuf en caoutchouc. Peins-le en violet et ajoute de la peinture nacrée par-dessus. Des rubans avec du velcro permettent d'attacher le casque sur l'épaisse chevelure d'Elsa. Une protection complète, c'est nécessaire pour des vacances à la neige. Mademoiselle Elsa, il va continuer à neiger aujourd'hui dans les montagnes. Super, je vais pouvoir skier toute la journée. C'est pas si facile, il te faut un casque. Mais j'ai déjà acheté des lunettes de ski. J'ai même trouvé des lunettes sympas dans un tas de neige. Oups, ils sont recouverts de neige. Je t'avais prévenu. T'inquiète pas, tu trouveras tout ce qu'il te faut à la réception. Il me faut un casque. C'est le modèle le plus vendu. Moi, c'est pas mon style. Pourquoi pas celui-là? Désolé, il n'est pas à vendre. Bien que... nos clients VIP peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Elsa essaya le casque. Il est superbe. Waouh! Je vais le recommander à tous les visiteurs de cette station. Merci pour tes achats. Amuse-toi bien. Cette planche de surf en polystyrène pourra flotter facilement. Ajoute un cordon tout le long. Ajoute des ailerons en carton épais. Prévois des attaches sûres pour les pieds. Colle une perle et un tube transparent au bout d'un cordon. Anna est venue prendre une leçon de surf. Waouh! Une planche personnalisée! C'est la planche de ma copine Annabelle. Il n'y avait juste pas assez de place pour son nom. Oups! Mais tu peux t'entraîner dessus. Tiens-toi debout sur la planche, c'est bien. Pour l'instant, on va s'entraîner à tenir en équilibre sur le sable. Tu peux le faire! Tu dois juste croire en toi. Maintenant, on va aller s'entraîner sur l'eau. Ouais, chevauche la vague! Oui! Mais c'est beaucoup plus sympa de nager allongé sur la planche plutôt qu'en équilibre dessus. Fabrique un snowboard. Recouvre-le de papier mousse scintillant. Ce snowboard brille comme de la neige fraîche. Cette planche Frozen est parfaite même pour les débutants. Maintenant, on peut aller faire du snow. Pour commencer, le moniteur montre à Elsa les bases du snowboard. C'est pas du tout effrayant. Le plus important, c'est de garder l'équilibre. D'abord, on va commencer par une petite montagne. Elsa descendit la pente. Yes! J'adore les sports extrêmes! Mais un énorme bloc de glace se mit en travers de son chemin. Boum! Oh, elle est restée coincée dans la neige. Je vais te sauver! Maintenant, je suis assez expérimentée pour descendre cette pente raide. Je crois qu'on a besoin de quelques séances d'entraînement en plus. Dessine la base sur une feuille cartonnée. 1, 2, 3... Découpe une feuille. Fais un siège avec des touillettes à café. Applique de la colle chaude pour faire comme du bois et peins-le. Des feuilles et des fleurs exotiques poussent sur le siège. Anna a trouvé un coin confortable sous les palmiers. Une magnifique chaise longue sur une île magnifique, c'est un vrai rêve devenu réalité. Elle peut se détendre avec son cocktail. Ouh, il y a tellement de soleil! J'avais mes lunettes de soleil quelque part. Super! Ouh! J'ai toujours voulu goûter une noix de coco qui venait directement d'un arbre. Oh, j'arrive pas à l'attraper. Comment je peux faire? Il y a une chaise longue ici. Super! La noix de coco est enfin entre mes mains. Mais je dois l'ouvrir. Comment on fait ça? Même ce rocher ne suffit pas. Oh, je vais devoir oublier ça. Mais attends, j'avais de la pastèque dans mon sac. Ces vacances sont géniales! Vide un mini flacon pulvérisateur. Retire le distributeur. Ne garde que le filtre en métal. Recouvre-le de carton miroitant. Peins l'embout en argenté. Avec un thermos comme celui-ci, tu auras toujours du thé chaud. On a fait une pause après l'entraînement. On peut se détendre et prendre une boisson chaude. Le thé, c'est encore meilleur quand on le boit avec ses potes. Ce pot de yaourt peut se transformer en sac thermique. Peins-le en bleu. Bouh, il est déjà bien froid. Il y a du papier d'aluminium spécial dans la glacière. Il permettra de garder la température assez basse. Ajoute une anse et des boucles. Maintenant, la glace ne fondra pas. Olaf rentre parfaitement à l'intérieur de la glacière. Elle est lourde. Je sais comment je vais déplacer des choses lourdes. Je vais ajouter des roues sous la boîte. Et ajouter une poignée. Elsa emmène Olaf dans une forêt enneigée. Olaf, tu t'es enterré dans la neige jusqu'au cou, comme si c'était du sable. Mais je suis jamais allée à la plage. J'ai une idée, tu vas partir à l'aventure. Remplis la boîte de glace et de neige. Et on va aussi ajouter du coca ou du Pepsi si t'as soif. Olaf fait du bateau. Ouais, c'est l'aventure! Anna bronze au soleil. Mademoiselle, une livraison pour vous.
Vraiment, c'est bizarre. Elle ouvrit le sac thermique et vit quelque chose d'incroyable. Hey Olaf, mais comment t'es arrivé là? On va laisser les amis tranquilles pour qu'ils puissent se raconter leurs aventures et boire un soda ensemble.